projet comporte quatre blocs d'appartements qui sont réalisés en deux phases distinctes. Une première phase concerne la réalisation des immeubles à appartements qui sont autour de la Prairie Fleurie. Prairie Fleurie, c'est un espace collectif qui se trouve au centre du lotissement. Ensuite, il y a une seconde phase qui sera réalisée le long de la rue Saint-Jean, c'est-à-dire à l'entrée du site. Et ce sont deux immeubles qui comporteront, eux, 28 logements, mais qui comporteront également pour le rez-de-chaussée des affectations un petit peu différentes. D'une part, l'implantation d'un commerce. Et par ailleurs, il y aura également un rez qui sera affecté pour partie à une crèche et pour partie à un centre médical. La particularité du projet ici réside dans la qualité de l'aménagement des espaces extérieurs et dans la relation qui est établie entre les logements et donc ces espaces publics à l'extérieur. Et c'est vraiment une des caractéristiques du projet, c'est-à-dire que les deux immeubles qui sont autour de la Prairie Fleurie ont été volontairement conçus et orientés vers cette prairie et vers cet espace collectif qui doit être un lieu de convivialité. Et par ailleurs, les ensembles d'appartements qui sont le long de la rue Saint-Jean, eux, ont une vocation plus urbaine avec des rez commerciaux. Et donc il y a vraiment des particularités dans le cadre de la conception des logements qui ont été prises en compte.